T'as mis dans ta valise. C'est mieux? C'est un peu mieux. Te laisse pas surprendre par une rafale qui arriverait de traître. Moi je suis encore un peu en avant. Alors c'est quoi l'amélioration? C'est plus stable ou t'as plus de patates aussi? Par hasard. Je vais vachement descendre la radio en fait. C'est mieux ou pas? Naza, naza, naza. Des hélices Gropner en 9.5. Et des 890 kV. Là, je touche plus rien. T'as pas activé le mode GPS là? Il conserve pas l'altitude, baromètre? Si, il est activé là. Parce qu'il y a du vent, donc ça le fait bouger. Là. Drôle, hein. Ça fait drone? Ouais, c'est surprenant quand même. Bah, je sais pas, peut-être qu'un jour je finirai le mien. Peut-être. Quand j'aurai le temps, dans une autre vie. C'est quoi? Tu le montes? Il est monté à 60%. Des soudures et tout ce qui est réglage. J'attends la carte HK là, qui doit arriver, la light, pour tester sur le petit quadri. L'autre, j'ai réessayé hier soir. J'ai rechangé l'ordre des moteurs, maintenant c'est bon. Rien à voir avec la notice. Par contre, il faut que j'inverse des gyros. On pense dans le mauvais sens. Et pour ça, il faut que je relise la notice. Ouais, du coup, j'ai activé, il y a le retour maison qui est activé. Qui est programmé dessus. T'as essayé déjà? Non, pas encore. Et là... J'ai une question con, il est au sol, tu programmes le retour maison, qu'est-ce qui se passe? Il décolle et il y va tout seul? Non, je sais pas. J'ose pas encore pour l'instant. Mais il est activé sur un inter. Voilà un peu avec en attendant. Enfin, pour l'instant, je vais déjà... Dès qu'il y a plus de vent, il est pas mal. Hein. Ouais, mais tu peux pas dire... Ça, c'est fait pour monter, c'est fait pour prendre de l'altitude. Ouais. Donc si tu montes, t'as toujours du vent. Zéro vent en altitude, je suis pas sûr que ça existe. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de vent là, ici. Ça pose, là? Oui, c'est ça, vas-y. Éclate-toi un doigt. Ou deux. Ou plus, t'y affinité. Oh là là.
est, ça va recommencer. Voilà. Alors, quand tu lâches les manches que tu freines en course, il cabre pas tout seul, si ? Non, non, il se stabilise automatiquement. Parce que là, il avait l'air de cabrer. Non, regarde, toi. Francis cabré. Regarde. Je vais accélérer. Voilà. Vas-y, épate-moi. Lâche. Je lâche. Oui, donc il se recabre quand même. Il se remet automatiquement en... Mais il cabre un peu au début. Il freine tout seul. Ouais. Pour suivre pas sa course. Tu me diras, tous les quadris font ça, c'est vrai. Là, ça m'éclate. Il est là, sur les trois. Après, sur le lit, il branche sur un côté. Quand je regarde... Toujours cette satanée histoire de penchant. Je regarde pour l'équilibrer sur les axes. Centraux, tu veux dire. Comme central, mais pas pareil. Ouais. Prendre les deux bras du milieu et... caméra. T'as mis le buzzer dessus, ouais. Ouais. Je trouve que tu voles longtemps là, non? Ouais, ça fait déjà 6 minutes 50. Ouais, mais tu as presque 15 minutes. Ah oui, t'as la 5000. Avec une 5000, ça, effectivement, ça fait un peu plus. Oui. La vidéo va se couper avant. Il est pas programmé sur la... Je l'ai pas mis sur la radio. Quoi donc ? Timer. Je pense jamais à le mettre. C'est... En fait, il a pas trouvé la rubrique Jean-Marc où ça se trouve. Non, mais je pense jamais à le mettre. Tu te souviens de comment on le programme ou pas ? Et ben voilà.